Je vais essayer de m'habituer avec le micro, là. M'entendez-vous trop? Tiens, là, je m'entends un peu trop. Juste enchaîner, moi, on parle de créativité, puis dans la salle ici, pas mal d'exemples qu'on pourrait donner, là. Beaucoup de visages de gens créatifs, et c'est plaisant de se retrouver dans cet environnement. Fait que, Jean-Christophe m'a contacté pour vous parler de l'engagement, fait que j'ai tout de suite dit, OK, cool, ça va me faire plaisir, t'sais, j'aime ça discuter de photographie et tout, puis... le temps a passé, puis j'ai compris, j'ai pris plus mesure de ce que ça représentait que de parler de l'engagement. Fait que c'est davantage une réflexion que je vais vous. Une réflexion personnelle que je vais vous transposer, partager. Ben ouais, en tout cas, on va la faire ensemble un petit peu. C'est sûr, je vais vous parler vite fait au début là, de mon parcours, du moins, ce qui a fait en sorte que la vie a quand même bien changé, mais toujours dans la même direction dans les. Dernières années à peu près. J'ai étudié en génie mécanique, puis j'ai réalisé que j'aimais pas trop ça. Fait que je suis allé en journalisme en me disant que ça laisse beaucoup d'ouverture, de possibilités. En même temps, j'ai commencé à voyager. J'ai fait un premier voyage dans l'Ouest où j'ai apporté une petite caméra qui s'est brisée. Fait que j'ai acheté des Kodak jetables, puis ça a été ça mon voyage. J'ai fait de la photo de nature avec mes Kodak jetables. Fait qu'en revenant, il y avait le journalisme, il y avait la photographie qui était déjà une passion. Puis à un moment donné, j'ai associé les deux, puis là, je n'ai jamais vraiment fait autre chose depuis ce temps-là. Fait que, assez rapidement, en étudiant journaliste, j'ai fait un premier stage au Voir, journal Voir, un stage au Soleil aussi, et à la presse canadienne. J'ai commencé à couvrir le Festival d'été de Québec. J'ai fait une photo de ZZ Top à un moment donné qui a gagné un concours au Voir qui a permis de commencer à travailler pour le journal. Ça a amené au Soleil. Ça a amené quelques années après au Devoir, quelques années après au New York Times, puis des mandats à droite à gauche pour des agences en Europe, ou surtout en Europe. Là, la photographie en France a une autre. On la voit d'une autre façon. T'sais. Je vous parle d'une photographie qui est plus vue comme un langage, comme une façon de raconter, là, comme. Ce que je fais, c'est du journalisme. La photographie, c'est ma façon d'écrire, ou c'est le médium que je privilégie. C'est sûr que je vais faire un peu comme ça, là, en zigzag, même si pour une rare fois, j'ai fait un petit plan. Puis si vous avez des choses à dire, demander, ou vous voulez intervenir, allez-y aussi. C'est toujours un peu plus riche comme ça. Fait que, mais c'est ça, il y a eu le côté local. Il y a eu du corpo aussi, parce qu'il faut gagner sa vie. Puis en même temps, par contre, dès que j'ai fini mon bac, je suis parti une première fois en Inde. Je me suis promené pas mal, là, mais surtout, ce qui m'est resté, c'est les quelques semaines passées à Calcutta, où, sans trop de raison, en tout cas, mais pour le désir de voir, puis de peut-être de me confronter à une photographie plus humaine, j'ai passé beaucoup de temps dans des bidonvilles, avec des gens qui avaient quitté leur région natale où l'agriculture était pas mal en péril, qui allaient chercher du travail dans les grandes villes, Calcutta, puis ils vivaient dans des conditions de misère assez incroyables. Je suis revenu d'Inde, puis là j'ai pris conscience que dans le voyage, le plus intense, c'est pas le voyage en soi, c'est le retour. Quand on ramène tout ça, on veut le partager, on se confronte au déséquilibre. Puis je me souviens de ce moment-là, je pense que c'était au IGA, où je suis arrivé devant l'allée des yogourts. C'était tellement blanc, il y avait tellement de choix, ça m'a fait un petit peu halluciner. Fait que le retour d'Inde a été quand même très, très marquant. Il y a eu beaucoup de remises en question aussi sur ce travail, puis des prises de conscience. Puis ça m'a surtout donné l'envie aussi de rapidement repartir. J'étais à l'Impact Campus à l'époque. Je vais essayer de ne pas faire ça vite. Hein. Fais-moi des signes aux 10 minutes à peu près, OK? J'étais à l'Impact Campus à l'époque, puis j'ai pu bénéficier d'un stage qui était proposé pour partir pendant à peu près 2 mois et demi, 3 mois au Kenya, travailler pour le Forum social mondial un petit peu. Mais surtout, après ça, aller passer du temps dans les camps de réfugiés de Dadaab et Kakuma, fait qu'à la frontière somalienne et frontière maintenant sud-soudanaise. Maintenant, parce qu'à l'époque, c'était juste soudanais, ça a changé un peu. Puis ça a été une autre prise de conscience, là, vraiment forte, de me rendre compte qu'on parlait de centaines et de centaines de milliers de personnes qui se retrouvaient dans un coin du globe où il n'y a pas grand monde qui voudrait habiter,
pas par choix, mais simplement parce que c'est des victimes pures et simples de situations qui les dépassent complètement. Fait que voilà. Fait que je suis revenu. Après ce voyage en Inde, au Kenya, là, j'étais un petit peu. C'est ça. Ça a commencé à devenir un peu une obsession, on pourrait dire. Je suis retourné en Inde. Je suis revenu, je suis retourné en Inde, je suis allé au Népal, là, je me suis fait une petite liste. Là. Il y a eu Haïti, j'ai eu une petite fille qui est née 6 mois plus tard, il y a eu Haïti. Juste après le séisme, en tout cas, je suis parti tout de suite. Enfin, je reviendrai à ça. Après ça, il y a eu la Tunisie, j'ai un petit gars qui est né. Puis je voulais me prouver à moi-même que même si j'avais des enfants, il ne fallait pas que je reste dans le quotidien, puis que je pouvais dire, OK, je pars 3 semaines, puis je le fais, parce qu'il faut cet équilibre-là. Si je le fais pas, puis je pense que c'est de ça qu'on va parler, de l'engagement, c'est que si je le fais pas, ben je ferai pas de photographie du tout, là. OK. Ça, c'est à peu près le parcours. Il y a eu Attawapiskat aussi, des expériences plus canadiennes, là, surtout au nord, dans les réserves, là, où, tu sais, même en ayant été à Dadaab ou des camps de réfugiés à droite à gauche, j'ai été vraiment choqué de voir les conditions de vie. Fait que, tu sais, ça, depuis 12 ans, c'est pas mal le rythme. Je suis tout le temps en train d'essayer de composer entre la famille. C'est drôle, on parlait de mariage tantôt, à 2 reprises, là, mais c'est vraiment pas le type d'engagement dont je viens vous parler, là. Mais quand même, engagement envers la famille, les enfants, puis en même temps, mon travail, tu sais, qui prend une place super importante. Puis voilà. Fait que tout ça, c'est le parcours, là. Il y a eu plusieurs choses que j'ai sautées, mais je vais y revenir d'une autre façon. Fait que là, quand Jean-Christophe, tu m'as demandé ça, je suis allé voir là, la première étape, la définition de c'est quoi l'engagement, puis je me suis arrêté sur l'action de se lier à une promesse ou à une convention. Fait que là, je me suis dit, dans le fond, je me suis lié à rien d'autre que mes envies, là, tu sais, j'ai pas de convention nulle part, puis là, bon, là, la réflexion a évolué, tu sais, je me suis dit, je suis pas engagé, au tout moins, c'est quoi mon engagement, tu sais? Fait que c'est plutôt ça la question que je me suis posée, c'est quoi mon engagement? Puis il y en a plusieurs, mais il y en a un en particulier, puis c'est ça que je vais continuer à mettre de l'avant. Ce qui m'amène à l'anecdote. C'est le fun d'avoir un plan à suivre quand même. Quand j'étais, je vous parlais de Dadaab au Kenya, là, Dadaab, tu sais, je travaillais à l'Impact Campus, fait que journal étudiant de l'Université Laval, qui n'a pas un énorme tirage, là, ni un grand lectorat. Ça faisait quelques jours que j'étais dans le camp de Dadaab, j'avais rencontré quelques personnes, puis je pense 5e ou 6e jour, il y a quelqu'un qui vient me voir, un monsieur que j'avais rencontré dans les journées précédentes, puis il avait pris le temps d'écrire une lettre. Ça, je vais toujours m'en souvenir. Là. Puis une lettre, tu sais, puis j'ai malheureusement plus le document, là, mais ça disait là, sur un papier écrit un peu tout croche, là, « Merci d'être là, tu es Canadien, tu fais des photos, tu vas ramener ça au Canada, Canada c'est un pays riche, ça y est, tu sais, on a une solution, on va sortir d'ici, c'était trivial. » Là, tu prends la lettre, tu fais « OK, tu sais, je travaille pour l'Impact Campus. » c'est drôle, mais en même temps, tu sais, tu te dis… Ben, je viens de faire une promesse que je pourrais pas vraiment tenir. Puis la personne, elle m'a fait rentrer chez elle. Elle s'est livrée, elle s'est confiée. Puis du coup, c'est, je saute des étapes, mais c'est ça l'engagement. Tu sais. Je me suis dit, c'est peut-être l'engagement pour face à une passion. Tu sais, oui, la photographie, mais surtout les rencontres que ça permet. C'est peut-être un engagement envers ce que je savais pas comment le définir. J'ai appelé ça mes voisins. Tu sais, c'est vous, tu sais, ou les gens qui vivent dans le même monde que moi, tu sais, à qui je suis en mesure de parler. Donc, un engagement envers l'information, parce qu'il y a un type d'information que je considère super important, tu sais, une information sociale, humaine, dont nos médias manquent gravement. Mais quand je repense à ça, là, à cette lettre qui m'a été donnée à Dadaab, je me dis que le seul engagement que j'ai, là, c'est envers les personnes que je photographie. Parce que aller faire des photos dans ces contextes-là, souvent, ça, vu de l'extérieur, ça a l'air mystérieux un peu, j'en suis conscient. J'avais ce regard-là envers des photographes il y a 10 ans qui m'ont beaucoup inspiré. Je regardais leurs travaux, puis je me demandais comment, c'est quoi le processus, comment ils avaient pu. En tout cas,
Puis c'est intriguant, mais tu sais, au final, c'est toi qui fais ça, man. Mais fait qu'il est entièrement pardonné. Au final, j'ai oublié. Je suis vraiment pas loin de m'en souvenir. Je disais que oui, c'est ça. Mais je regardais les travaux de photographes qui ont fait ça toute leur vie, puis je trouvais ça un peu intriguant. Comme... Mais au final, on prend un billet d'avion, on part, puis on s'en va rencontrer des humains qui, 99% du temps, sont comme vous et moi, qui veulent vivre tranquille, qui sont ouverts à l'autre. Souvent qui vivent des situations de vie difficiles, dont ils ont conscience, souvent qui vivent des injustices dont ils ont conscience. Donc, il y a toujours une volonté de partager. Puis, fait que, il n'y a rien de mystérieux, là. Il faut juste y aller. Puis, après ça, le gros du travail, c'est pas de faire des photos. Tu sais, des photos, là, sérieux, ça devient plus important. C'est avant, apprendre, tu sais, sur une situation. Fait que ça, c'est la démarche plus journalistique. Puis, bon, le pendant, c'est un peu le plaisir, là, tu sais. Un plaisir qui peut être quand même intense. À vivre des fois, mais un plaisir de rencontre, puis de créer aussi, tu sais, quand ce moment-là où tu tombes dans l'avion, puis tu ramènes une histoire complète. Il y a encore beaucoup de travail avant qu'elle existe, mais ce moment-là, aucun mot pour le décrire, comme vous voyez. Fait que dans le fond, la photo, c'est d'abord et avant tout, tu sais, un contact qu'on crée avec une personne qui accepte de nous ouvrir la porte. Je l'ai beaucoup vécu récemment, là, j'étais au Bangladesh, j'ai travaillé avec les Rohingyas, il y a sûrement des photos qui défilent ici et là. Les Rohingyas, vous avez probablement entendu parler de cette communauté, là. Je ne ferai pas toutes leurs histoires, mais... Pendant 3 semaines, la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai erré dans les camps avec un traducteur, lui-même Rohingya. En tout cas, là, je peux me perdre puis raconter des longues histoires, mais je vais résumer. Pendant 3 semaines, tout ce que j'ai fait, c'est que je me suis promené puis j'ai laissé les gens venir à moi. Je parlais avec quelqu'un, il m'a amené chez lui, on discutait, je prenais des notes, j'ai fait une trentaine, quarantaine d'entrevues. Juste ramasser les histoires puis... Toujours être ouvert à ce que les gens viennent nous voir. Faut pas aller vers les gens puis demander à aller chercher quelque chose, mais il faut créer ce lien qui permet ça. Fait qu'une fois que la personne a dit oui, tu sais, puis a partagé des histoires qui, mettons au Bangladesh, c'était plutôt intense là, comme histoire à raconter. Il reste ça, puis cet engagement-là, j'essaie de le prendre quand je reviens ici. En contactant des médias, en parlant, j'essaie de devenir un peu porte-parole, tu sais, de la cause que... Fait que là, ça dépasse complètement la photographie. Je me réfère à mon petit texte. Fait que il y a une conclusion, mais on va aller vers autre chose après. On est à combien de temps, genre? J'ai le temps, ok, cool. On va pouvoir. C'est parfait. Fait que l'idée, tu sais, c'est dans le fond la réflexion, tu sais, face à l'engagement là, puis c'est cool d'avoir fait l'exercice parce que ça me conforte un petit peu, puis ça me motive un peu plus dans les choix aussi. Mais c'est ça, c'est face aux gens que je photographie, puis par défaut, ça devient aussi un peu face à ceux que j'ai appelés mes voisins, parce que ces images-là, elles doivent être diffusées, elles doivent servir à quelque chose. Il n'y a rien de pire que ramener des images puis les faire dormir dans un disque dur. Parce qu'on brise la promesse qu'on a faite envers ces gens qu'on a photographiés. Donc, c'est ça, je veux juste démystifier un peu. Je vous disais tantôt, ça a l'air mystérieux un peu, tu sais, ramener des images comme ça, mais il n'y a rien de mystérieux, là. C'est juste, comme je vous disais, acheter un billet d'avion, quelques petits détails techniques, des fois, de visa, d'accès ou de contact à organiser, mais... Le gros du travail, c'est pas de faire les photos, là, c'est d'y être. Mais pour y être, ben, ça prend une. Faut avoir développé les accès, c'est ça. Fait que mon travail, c'est d'être en mesure d'accéder à.
Fait que Accédéa, souvent, bon, il y a les notions d'organisation, comme je vous disais, mais il y a des notions financières aussi. T'sais, mon plus gros commanditaire, c'est Mastercard. Là. Quand je pars, c'est jamais, 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 sauf une fois, deux fois, c'est pas vrai, deux fois où j'ai été mandaté pour. Et même ces deux fois-là, t'sais, c'était pas dans le profit au final, parce qu'il y a toujours des frais. Puis, fait que c'est un peu ça. C'est plus un engagement, t'sais, c'est presque rendu une drogue un peu, là. Je travaille ici pour pouvoir faire vivre ces deux petits loups-là, puis mon obsession, c'est de partir, c'est d'aller faire de la photo. C'est... Fait que ça m'amène à ma troisième page. Je vais le trouver en même temps. C'est sûr que... Puis là, c'est là que je fige un peu parce que je rentre dans... Habituellement, tu sais, je pourrais parler pendant une heure et demie de photos, montrer des images, conter des anecdotes. Puis là, je vais devoir, par la nature de cette conférence, tomber dans le plus personnel un petit peu. Fait que pour m'en sortir, je vais me référer à des amis photographes qui vivent à peu près le même genre de vie, tu sais, puis... Puis je vois qu'on est tous un peu, on vit tous les mêmes genres de réalité. Là. Puis l'idée, c'est vraiment pas de me plaindre parce que le choix, il est conscient, puis il est assumé, puis il est excitant aussi. Là. C'est un boulot qui, par sa nature, rend la vie un peu difficile à équilibrer. On va dire ça comme ça. T'sais. Je suis parti au Soudan du Sud en janvier-février 2017. Pendant 3 mois, mon sac était prêt, puis j'attendais un coup de fil que j'ai reçu à 2 reprises pour dire « tu pars dans 2 jours ». Mais finalement, non. Puis finalement, le coup de téléphone est arrivé, je suis parti pour 3 semaines. Une semaine plus tard, j'étais encore à Nairobi en train de faire des allers-retours à l'ambassade du Soudan du Sud pour essayer d'avoir les papiers. Une semaine après, j'étais rentré au Soudan du Sud, mais là, je faisais des allers-retours avec le ministère des médias, en tout cas, un drôle de truc, là, pour avoir l'accréditation média qui me permettait même pas vraiment de sortir mon appareil photo puis faire de la photo, mais juste à certains moments bien précis, dans certains contextes. Fait que ça faisait 2 semaines et demie que j'étais parti, puis j'avais pas fait une seule image. Là, puis, fait que le voyage a duré 5 semaines. Je suis rentré. Puis là, ça a été un petit peu la folie. Tu sais, c'était dans le cadre. L'ONU venait juste de déclarer la famine dans 5 pays de la Corne de l'Afrique. Puis on n'en parlait presque pas au Canada. Je suis parti avec la coalition humanitaire, donc une espèce de pool de Oxfam, CARE, Save the Children, Aide à l'enfance, les plus grosses ONG canadiennes qui s'associent dans des moments de crise comme ça. Puis je suis devenu un peu leur porte-parole. Là, j'ai fait 7 ou 8 entrevues radio. Les images ont tourné dans le Globe and Mail, dans le Devoir. Il a fallu que je les convainque, les deux, de publier, parce que c'est des compétiteurs aux yeux de certains, pas aux yeux du Devoir. Fait que pendant 2 mois après le retour, j'ai été juste là-dessus. Fait que ça veut dire que pendant à peu près 5-6 mois, j'étais au Soudan du Sud. Je suis parti, j'ai décalé mon retour de 2 semaines et demie à peu près. Pendant ce temps-là, c'est sûr, j'ai pas payé hydro, là. J'ai pas vraiment payé non plus mon appartement. À peu près, j'ai essayé, tu sais, puis j'ai pas travaillé non plus. Quand je suis revenu, ben là, le décalage est tout le temps là. Puis je suis revenu, tu sais, la première chose que je veux, puis qui arrive, puis c'est tant mieux, c'est mes 2 petits loups dans mes bras, là, puis passer du temps. Mais fait que là, j'ai pas envie de payer hydro encore une fois. Fait qu'il y a toujours un petit décalage, là, puis j'aime ça aussi, tu sais, c'est le fun, mais c'est ça. J'ai parlé d'Alexis Aubin aussi. Alexis, c'est un photojournaliste québécois qui est un super ami, qui vit maintenant à Montréal. Depuis 3 ans, il était en Colombie pour travailler exclusivement sur une histoire. En partenariat avec une ONG, fait qu'il y avait un travail à temps partiel avec l'ONG qui fait dans le déminage. C'est un des pays où il y a le plus de mines antipersonnelles. Il s'est consacré 3 ans sur une histoire. Je pense pas qu'il l'ait vendu, parce qu'il peut vendre une photo par-ci par-là, mais ce qu'on fait, c'est pas des photos, là, c'est du narratif, c'est des séries d'images. On aligne des mots, mais comme on aligne des images pour créer quelque chose. Fait que Alexis, il l'a pratiquement pas vendu. Ça a fait une exposition,
dans le cadre d'un festival qui est fait par des gens qui se donnent énormément, mais avec des moyens de festival, petit festival, donc il n'a pas vraiment été payé pour ça. Il est rentré, il est dans le sous-sol de ses parents, puis il n'y a pas une scène. Mais il est très heureux, tu sais. Ça, c'est pas le problème. Mais quand même, tu sais, il a 30, 30 kecs, puis il s'est donné, puis il a fait d'autres choses avant, puis il fera d'autres choses après. Je vais parler d'Adrienne Surprenant aussi, qui est une super bonne amie, aussi photojournaliste québécoise, anciennement basée à Montréal, qui vit maintenant au Cameroun. La dernière fois que j'ai vu Adrienne est vraiment peace, là, elle est relax dans la vie. Puis elle a une façon d'avancer dans la photographie qui va l'amener vraiment loin, tu sais. Puis elle a tout donné. Elle est au Cameroun, elle est à 200% là-dedans, elle a mis de côté beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans sa vie. Elle vit au Cameroun maintenant, tu sais, je pense plus qu'elle a la RAMQ, je pense plus qu'elle a tout ça. Olivier Labambatéhi. Olivier Labambatéhi, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, photojournaliste français, corse à la base. Je pense qu'il y a deux, trois WordPress photos. Il a travaillé pendant 15 ans, il a fait tous les conflits, zones tendues. Olivier, ben, je ne sais pas jusqu'à quel point je peux avancer parce que je ne lui ai pas dit que j'avais parlé de lui, mais même chose, là, il est en Corse avec deux pensions, puis il retourne en Corse parce qu'il peut ne pas payer son appart, puis il est mi-quarantaine, et voilà. Sinon, c'est dommage, je ne lui ai pas demandé, j'aurais dû demander parce qu'Olivier, on a des échanges qui sont vraiment, vraiment beaux, mais voilà. Rémi Hochelick, ouais, juste après Rémi. C'est pas un ami, c'était pas un ami, tu sais, c'est quelqu'un que j'ai connu, j'ai travaillé avec lui en Haïti une journée où ça a vraiment, 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 vraiment mal tourné, là. C'est là que j'ai réalisé qu'un claquement de doigts peut faire changer une situation assez rapidement. Rémi est décédé quelques années plus tard en Syrie. Il est arrivé caché dans la voie d'un pick-up sous des couvertures, puis. Le régime l'a spoté, puis le soir même, il y avait une roquette qui le tuait avec la journaliste Marie Calvin, là, qui avait toujours un œil comme ça, en tout cas. Camille Lepage était jeune, là, 23 ans, je pense, puis Camille, hein, je ne sais plus si c'est au Soudan du Sud ou en République centrafricaine, je pense que c'est en République centrafricaine, elle s'est fait prendre dans une niaiserie de route là, de gang rivale, tir croisé, puis t'sais, on ne veut pas imaginer ce qui lui est arrivé là, dans ces zones perdues d'Afrique. C'était peut-être même au Mali. Je pense que c'était au Mali. Fait que, t'sais, c'est ça. Puis moi, mais là j'ai marqué puis moi, trop petit point. Puis moi, hein? Ah oui, c'est ça, mais oui. Ben moi, t'sais, dans le fond, ma façon toujours de m'en sortir, c'est de dire que quand la question vient, mais comment ça t'affecte tout ça? Parce que c'est sûr que des fois c'est intense, là. Mais je dis, ben, dans la vie, on est toujours affecté par tout nous affecte à différents degrés. Puis c'est vrai, tu sais. Puis on est le résultat de tout ce qu'on a vécu. T'sais. Puis ben, je suis content si je deviens le résultat des rencontres que j'ai vécues à travers la photographie, qui la plupart du temps sont riches, riches et belles, t'sais, en termes humanistes, là. Plus que décourageante et désespérante, là. Les situations le sont, décourageantes et désespérantes, là, surtout quand on voit l'origine des situations. Tu sais, je repense au Soudan du Sud, c'est pratiquement deux personnes, bon, avec des pays derrière, là, qui font en sorte que c'est des millions de personnes qui vivent en dehors de chez eux, réfugiées, déplacées ou dans l'insécurité la plus totale, en n'ayant pratiquement rien à manger. Ben, c'est en tout cas, ça, c'est la situation, mais les rencontres faites, ben, c'est des humains qui, comme je vous dis, là, tu sais, puis, qui veulent vivre dans la joie, qui veulent vivre en famille, qui veulent vivre tranquille, là. Puis, c'est ce que j'essaie de garder, mais c'est sûr que des fois, ben, c'est ça. Je vous parlais d'Haïti, là. Haïti, il y a eu un moment hyper tendu que c'est sûr que, tu sais, des années plus tard, je fais, OK, ouais, ça. Dans les moments qui ont eu un impact fort sur la vie, tu sais, c'en est un. C'est sûr que le Soudan du Sud aussi, tu sais, voir à quel point un pays peut être dans le chaos le plus total comme ça, là,
T'sais, pour faire 50 km, ça m'a pris 5 jours là, parce qu'il y a trop d'insécurité. Fait qu'il a fallu prendre 5 avions, 3 hélicoptères, puis en tout cas. Puis moi, c'est ça. Moi, j'arrive, puis j'ai le droit de monter dans les avions et les hélicoptères. Puis, mais tu sais, les gens qui vivent là, ben, c'est ça. Ils font le 50 km, puis il y a des embuscades, puis ils risquent leur vie à tous les jours. C'est sûr que ramener des histoires comme ce que j'ai ramené récemment du Bangladesh, là, avec les réfugiés Rohingyas, ça peut pas ne pas marquer, là, t'sais, voir ce que l'humain peut faire à l'humain, t'sais, puis les laisser aussi, t'sais, puis aller passer 3 semaines dans les camps, puis revenir ici, puis c'est cool, là, t'sais, on est au domaine Mézeray, les arbres sont beaux, les bourgeons en fleurs, là, mais ben, plus qu'en fleurs, là, ça pop, là, mais... C'est ça, il y a toujours un décalage, beaucoup de remises en question. J'apprends à respirer, tu sais, puis à faire en sorte que l'équilibre s'installe. Mais l'équilibre s'installe. Je trouve qu'après 12 ans aussi, ça devient le fun parce que ça y est, tu sais, j'ai plus l'espèce d'énergie un peu malsaine de faut que je le fasse, là. Là, je le fais. Puis je sais que je vais continuer à le faire. Fait que je me suis posé un petit peu là-dedans. J'arrive à la dernière. Ben, j'ai fini.